Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as encore eu un cauchemar? Le même cauchemar. Le même cauchemar sur toi. Votre Majesté, l'insistance de ce cauchemar commence à m'effrayer. Je suis dérangée. Le problème, c'est que tu as peur. La peur est le plus grand ennemi qu'un homme puisse avoir. Et si tu peux vaincre la peur, alors il n'y aura rien qui va te résister ou te déranger encore. Sinon, ça te fera mal et ça te dérangera. Votre Majesté, ce n'est pas seulement pour la peur. Je sais de quoi est-ce que je parle. J'ai continué à avoir le même rêve sur toi. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Pardon. Tu sais quoi? Il n'est pas temps de discuter sur ce genre de choses. Et le mieux que nous dormions, s'il te plaît, laisse-moi dormir. Que je me repose, ok? Mon mari, s'il te plaît, essaie de m'écouter. Non, j'ai dit non, pas maintenant. Je ne peux pas continuer à faire le même rêve tous les jours. Et je ne veux pas du tout m'écouter. Et maintenant, tu es en train de me laisser. S'il te plaît, reviens et écoute-moi, je t'en prie. Comment je peux continuer à faire le même rêve tous les jours? Et ça persiste. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que ceci signifie? Un homme ne peut-il pas rester chez lui et être en paix? C'est tout le jour qu'il y a des cauchemars. C'est tout le jour qu'il y a des cauchemars. Ça, c'est quel genre d'aventure? Oh. Le roi! Qui as-tu vu? J'ai vu deux hommes. Ils étaient en train de l'étrangler et puis ils sont sortis par là. Je les ai vus. Non, attends! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Nous avons besoin d'aide. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon roi! Votre Majesté! Votre Majesté! C'est comme si... Votre Majesté! Sa Majesté. Ichiyoka, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? C'est vrai ça, c'est vrai. Je suis d'ailleurs en train d'aller au palais. Tout ce que nous avons pu entendre, nous allons le confirmer. Je vais voir de mes propres yeux. C'est pourquoi je m'en vais là-bas. Laissez-moi aller au palais. C'est là que nous partons. Allons-y alors. Partons ensemble. Allons-y. Hey!
Votre Majesté, les anciens sont déjà là. Ils vous attendent dans la chambre. Ils ont besoin de vous. Votre Majesté. De nos terres. Pourquoi avez-vous permis qu'une telle chose terrible comme ça tombe des cieux? Notre roi, pourquoi le grand Sirocco vient de tomber? Le grand roi et le chef, le ténèbre nous est vraiment tombé dessus sur cette terre. Ceci ne peut pas arriver. Ceci ne peut pas juste arriver. C'est impossible. Notre seul roi, Ézéchias II, est mort. Non. C'est vraiment impossible. C'était tôt un jeune roi comme ça mourir. C'était tôt. Et pas au moment où nous avons le plus besoin de lui. Où est notre reine? Je pense nous l'avons appelée. Ou elle a oublié que nous avons réunion? Non, peut-être nous devons encore patienter un tout petit peu. Non, nous avons entendu assez. Je suggère qu'on l'appelle à nouveau. Et tu as raison. Je pense que nous devons avoir... Le garde. L'appeler. Votre Majesté, pardon, les... Dégage maintenant de ma vue, dégage! Tu n'entends pas? Je t'ai dit que je ne veux pas du tout les voir. Va leur dire maintenant. Ne sais-tu pas comprendre ce qu'on t'a dit? Allez, quitte ici! Ne te mêle pas! Reste en dehors! Maman, regarde, tu as un appel. Ne réponds pas. Maman, mais c'est l'appel... Je ne réponds pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Désolé, mes chefs. Sa Majesté n'est pas de bonne humeur pour voir et qui que ce soit présentement, désolé. C'est quoi ça? Oh! Eh bien, excusez-moi. Ça, c'est quel genre de bêtise?
Que signifie tout ça? Étonnant. Elle n'est pas de bonne humeur. Sommes-nous de bonne humeur, nous? Voilà. C'est ça, hein? Oh, c'est la seule à pleurer ici. Pourquoi ne peut-elle pas venir nous voir? Calme-toi, Ichenemeka. Calme-toi, s'il te plaît. Je pense comprendre ses sentiments, tu sais. Ses actions sont justifiées. Non! Je ne comprends rien. Et tu ne peux toi rien me faire comprendre. Oui! Comprendre quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à me faire comprendre ici? Sa réaction n'est pas bonne. Calme-toi, Nemeka. Tel n'est pas le moment pour nous chamailler ici. Nous pouvons aller la voir. Non! Ce n'est pas propre. Ce n'est pas du tout c'est bien. C'est pas propre. Hein? Comment pouvons-nous descendre non, tout bas pour non, 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 non. Pardon. Nous pouvons juste aller la voir. Elle vient de perdre son mari. Ok, ça va. Partons. Partons, Laure. Ça va. Nous devons aller tous la voir. Bien, madame, ma reine. Maman! Maman! Quoi? Honnêtement, je suis sans mots et très dévasté. Je veux dire, comment est-ce que cela peut arriver? Comment est-ce que notre Igwe peut juste mourir comme ça? Les Igwe n'étaient pas malades. Non, ils n'étaient pas du tout malades. Hier, je les vis en bonne santé. Je suis sûr de ce que je vous dis. Écoutez, Igwe n'est pas seulement mort, mais il a été assassiné. Oui, voilà, hein? Ogene. Pourquoi crie-tu? N'est-ce pas que tu avais dit que tu avais vu quelque chose? Es-tu folle? Quoi donc? Est-ce que moi je te dis quelque chose? Mais tu m'avais dit non, que tu avais vu, non? Mais tu peux vu, te taire! Est-ce que moi je te dis quelque chose? Dis dans ton rêve ou quoi? Honnêtement, je ne pense pas que les choses vont bien dans ce palais. Ne l'avez-vous pas remarqué? Hein? Trois de nos gardes ne sont pas retrouvables. Mike, au moins Zé et Zé. Ils ne sont pas trouvables depuis la nuit dernière. Notez que ce sont eux qui ont gardé le palais le jour que Igwe est mort. Vous voyez ça? Et qu'est-ce que cela signifie? Hein? Cela signifie qu'il y avait une attaque ici la nuit dernière. Peut-être que le roi a été assassiné. Assassinat? Ne le répète plus. Écoute, contrôle ta langue. Debe. Debe m'a dit qu'il avait vu le roi. Mais c'est à moi que tu avais dit que tu avais vu, non? J'avais vu quelque chose. Tu veux la gifler parce qu'elle a dit la vérité? C'est la raison pour laquelle tu veux la gifler. Gifle-la. Vraiment, je ne te comprends pas. Debe me l'a dit. Fais attention, je te dis, Laisse-la, ça suffit. Attention avec moi, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Toi aussi, il faut comprendre lorsqu'on t'interdit. C'est quoi, hein? Idiot. Il m'avait dit qu'il avait vu les tueurs la nuit dernière. Tout ce que je peux dire, c'est que personne ne doit me faire perdre ce travail. Ce travail est ma destinée. Mon grand-père l'avait fait. Mon père également, et moi, je suis en train de le faire. S'il y a quelqu'un qui veut me séparer de mon travail, honnêtement, tu dois faire attention à ta manière de me parler. Quelle insolence! Hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui ne va pas avec cette femme? Avons-nous fait quelque chose de mal en cherchant à sympathiser avec elle? Vous imaginez? Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'elle a dû perdre son mari, mais nous aussi, nous avons perdu un leader irremplaçable. Est-ce qu'elle est plus affectée que nous? Non. Je n'arrive pas à comprendre tout ceci. Hein? Quelle que soit sa raison,
Elle ne devait pas faire ça. Nous sommes des personnes qui méritent du respect dans ces royaumes. Oui. Les bras droits des Igwe. S'il y a des gens qui doivent être à ses côtés à ce moment, puisque tout autre, c'est bien nous. Ça, c'est pourquoi agir comme si elle était une enfant? Oui, Mes anciens, il y a quelque chose qui peut faire en sorte qu'elle réagisse comme ça. Regardez, aussi longtemps que je peux m'en rappeler, la reine n'a jamais eu des problèmes avec personne d'entre nous. Et pourquoi ça doit commencer maintenant? Dites-moi, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Croyez-moi. Et qu'est-ce qui peut en être la cause? Je ne peux pas pointer ces problèmes du doigt, mais à ma connaissance, il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être que quoi? Et qu'est-ce que tu insinues, mon ami? Mes anciens, j'ai un message. Tu parles de quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a 3 gardes de ces palais qui sont portés disparus. Il y a 3 d'entre nous. Et ce sont ces gardes qui étaient au poste la nuit où notre Igwe a été assassiné. Désolé, la nuit où Igwe est mort. Qu'est-ce que ça signifie, hein? Notre chargé de cuisine, Lébé, il croit qu'il avait vu quelque chose. Où est passé ce Lébé? Que j'aille le chercher, mes anciens. Et sois vraiment rapide, cherche-le vite. Le voici. Mais voici au nom. Lébé, parle-nous de la nuit passée. Non, Ono, croyez-moi, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire. J'étais dans ma chambre à coucher et j'ai entendu l'une des bonnes du palais crier. Et je suis allé vite et j'ai trouvé Igwe déjà mort. Je ne sais pas de quoi il parle. Il serait mieux qu'on parte. C'est ce qu'il a dit. Oui, ma reine. Va l'appeler. D'accord, ma reine. Le voici, ma reine. Nkem. Et que signifie cette bêtise? Comment oses-tu? Désolée, ma reine. Je veux que tu me dises ce que tu avais vu le jour de la mort de mon mari. Je vous dis vrai, ma reine, je n'avais rien vu. Si tu sais ce qui est bien pour toi, tu ferais mieux de commencer à me dire maintenant. Parce que je sais que mon mari a été tué. Parce que je vais appeler la police. La police? Mais qu'est-ce que c'est? Tu ferais mieux de commencer à parler. Tu seras mon premier suspect. Non, ma reine. Oui, ma reine, j'avais vu le meurtrier. Il y avait des hommes. Je les avais vus. Je les avais vus en train d'essayer de s'échapper la nuit où Igwe était mort. Ils portaient tous des masques. Ces deux hommes. Avais-tu vu leur visage? Est-ce que tu peux le reconnaître? Non, ma reine, je ne le reconnais pas. Ok. Je t'interpelle d'arrêter de répondre cette information. Je ne veux plus écouter cette histoire dans ce palais. Merci, ma reine. Va chercher un truc pour essuyer cet endroit. Allez, vite! Dépêche-toi d'ici! Mes collègues grands chefs de ce grand royaume, nous devons tous discuter sur cette affaire. C'est très 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 sérieux, hein? La question de la garde que nous manquons, tous nous étions là quand ces réponses étaient données. On était là. De quoi parles-tu? Ndo Zukwe,
N'étais-tu pas là au palais quand ces gardes nous avaient dit ce qu'ils devaient nous dire? C'est vraiment ce que je demande. C'est quoi ton affaire dans tout ça? Hein? Pourquoi est-ce que tu en fais toute une affaire? Hein? C'est vraiment ce que je suis en train de me demander. Hein? Des rapports que tu n'as pas eu d'une bonne source. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on porte intérêt à ça? Hein? Et qu'est-ce que tu veux prouver à toi-même? C'est quoi? De quelle source parles-tu, Uchenemeka? Ou bien tu veux dire simplement que les gardes avaient menti? Non mais qu'est-ce que signifie tout ceci? En tout cas, vous m'amusez avec votre façon de parler. Hein? Ichi ono, che eizona. Dites-moi maintenant, que voulez-vous que nous fassions sur une question qui nous est parvenue non officiellement? Hein? Pour nous, c'est vraiment une rumeur, une petite rumeur. Donc nous devons attendre jusqu'à ce que cette source nous revienne officiellement. Parfois, on doit faire usage de nos têtes. Non, permets-leur de continuer à s'exprimer. Parce que je ne trouve aucune raison qui t'amène à dire ça. Si je peux demander, qui peut connaître les raisons? C'est toi qui peux en avoir une connaissance. À mon avis, tu ne peux rien dire. Tu ne peux absolument rien dire car tu n'en as aucune connaissance. Utilise ton cerveau pour nous dire ce dont nous avons besoin. Tu dois utiliser ton cerveau. Nous sommes en train de chercher la solution. Et tu es là, tu ne dis rien. Je ne sais même pas pourquoi. Non, essaie de nous prouver que c'est toi qui réfléchis. Ça suffit. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Comportons-nous bien. Oui. Un homme dont la maison est en feu ne va pas chasser le rat. Oh. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une question qui ne nous est pas officiellement adressée. Oui. Nous devons attendre jusqu'à ce que nous ayons un rapport de sa part. Onowu, pardon, avec tous les respects, nous ne pouvons pas attendre que la reine vienne vers nous, pardon. Hein? Ça, c'est une question sérieuse qui ne doit pas être résolue comme ça. Oui, il est vrai que la reine n'a pas voulu nous voir. Hein? Probablement, c'est parce qu'elle a des choses sur la mort du roi. De toutes les façons, on ne peut pas la blâmer. Hein? Il y a beaucoup de mystères qui vont autour de la mort du roi. Et maintenant que les gardes ont dit ce qu'ils pouvaient dire, dans toutes les rumeurs, il y a un poignet de vérité. Nous ne pouvons pas croiser le bras et regarder les choses et se faire comme ça. Nous devons faire quelque chose, nous devons faire un pas. De quel pas parles-tu, Onochi? Onochi, je crois que tu ne comprends pas très bien cette situation. Moi? Est-ce que tu t'attends que nous réagissions face à cette situation au regard de ces rapports que nous a donné ces deux gardes inutiles? Ou juste à cause de ton imagination audacieuse? Onochi, je ne l'accepterai jamais. Quand tu veux agir, faudrait toujours très bien analyser certaines situations avant de poser certains actes. Si la reine était en train de suspecter quelque chose, elle devrait nous approcher pour nous faire rapport. Et c'est à ce moment qu'on pouvait s'élever et réagir. Effectivement, là, tu as raison. Tout à fait. Vraiment raison. C'est vraiment ça. Il a raison. Ichi Iloka, tu as tout dit. Tout est clair. Nous ne pouvons pas aller au palais. Demandez à la reine, pardon, est-ce que vous avez quelque chose ou vous soupçonnez quelque chose concernant la mort du roi? Ou est-ce que est-il vrai que les gardes et gardes étaient disparus les jours que le roi était mort? Non, non, ce n'est pas ce que je vais dire. Ce n'est pas ce que je vais dire. S'il vous plaît, abandonnons cette question et revenons sur le sujet qui nous a réunis ici. Je viens de penser à ça. Izuna, apprends comment réfléchir avec ton cerveau. C'est celui qui est malade qui cherche le médecin. Et non, le médecin allait chercher celui qui a un problème. Est-ce que tu m'entends? Itié, pourquoi tu fais de ce problème un problème personnel? Pourquoi tu es venu sympathir? Hein? Ce n'est pas le lieu de faire ce que tu fais. Il faut avoir un intérêt commun. Tu parles aussi. Nous sommes en train de discuter un problème très important. Et tu es là en train de parler de médecine. Tu ne réfléchis pas. Tu es ici pour t'inventer. Tu es là pour montrer que c'est toi qui as plus de connaissances par rapport aux autres. En réalité, ce n'est pas ça. Écoutez les conseils. Laisse-moi d'abord te demander, Lébé. Pendant combien de temps vas-tu garder tout ça pour toi? Et en quoi est-ce que cela va te faire du bien? Voyons, mon cher. Laisse les choses couler avec nous. Chika.
Je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Honnêtement, je ne sais rien. Les bains. Et pourquoi gardes-tu des choses comme ça? Nous sommes une équipe. Hein? Rappelle-toi que nous sommes habitués à rester comme ça avant d'aller dans d'autres choses. D'ailleurs, Chio m'a dit que tu as pu voir le monsieur qui avait tué Igwe. Dis-nous un peu, si tu peux dire à une fille ce que tu as pu voir, et pourquoi est-ce que tu ne les caches alors? Alors écoute-moi, nous dire ce que tu avais vu serait profitable pour toi. Oui, profitable pour toi. Attendez, je crois comprendre quelque chose ici. Vous voulez me dire que vous croyez ce que Chima vous a dit à mon sujet? Parce que Chima, que moi, Chika, je connais trop bien, ne sait pas comment s'échapper. Alors, je suis ici le menteur professionnel, n'est-ce pas? Eh bien, donc il est vrai que tu avais vu le visage de ce garçon et tu essayes de nous le cacher, hein? Hein? D'accord, c'est bon. Alors, tu vas bien m'écouter. Il te sera vraiment avantageux. Est-ce que tu me comprends? Pour l'amour de Dieu, pense à nos colères gardes qui ont disparu le jour où le Mungro était mort. Hein? Et tu penses que c'est drôle? Hein? Je commence à perdre mon sang-froid, Lebe, je te dis vrai. Je commence à perdre patience, Lebe. Avec tout le respect, Obiora, je t'en supplie au nom de Dieu. Épargne-moi de ces problèmes. Je me déplace d'ici. Lebe, reviens. Non, reviens, je sais déjà. Et où est-ce que tu vas, Lebe? Reviens vers nous. Nous sommes tes collègues. Reviens ici. Comment est-ce que ce garçon est vraiment? Lebe, j'ai appris que c'est toi qui avais vu Igwe mourir. Ah! Pourquoi tout le monde pointe leurs doigts sur moi? Je n'avais rien vu, papa. Je suis ton père biologique, et tu dois m'avouer la vérité. Peu importe la circonstance, peu importe la situation. Oui, tu peux mentir à n'importe qui. Tu peux tout dire à qui que ce soit, mais pas moi, ton père. Je suis ton père. Je suis ton père, je ne vais pas te livrer. Et voilà pourquoi tu es mon fils. Alors dis-moi la vérité. Que s'est-il exactement passé le jour du meurtre du roi? Oui, Igwe a été assassiné. Et j'avais vu les gens qu'il avait tués. Alors, est-ce que tu reconnais leur visage? Non, papa, je n'avais pas vu leur visage. Je les avais vus en train de s'échapper la nuit où Igwe était mort. C'est tout. Ah, es-tu sûr? Très sûr, papa. Maintenant, ce que tu viens de me dire, maintenant, là, hein, est-ce que tu en as déjà parlé à une autre personne? Non, excepté la reine. La reine le sait aussi? Oui, aussi l'une des bonnes qui venait en criant les jours que Igwe était mort. Maintenant, tout le monde me pose des questions inutiles. Plus de questions inconnues. Peu importe, écoute-moi maintenant. Et cette version que tu viens de m'avouer maintenant, peu importe la circonstance, peu importe la pression, laisse-moi te dire que tu n'en parleras à personne d'autre. Est-ce que tu m'as compris? De peur que tu ne puisses pas fourrer ta tête dans de bêtises. Et est-ce que tu m'as compris? Oui, fils. Comment vas-tu? Nous allons bien. Ah non, tu ne peux pas parler à ton père maintenant. Il a une réunion avec les anciens dans son bureau maintenant. Rien du tout. Il n'y a rien de mal avec ma voix. C'est juste que j'étais sur le point d'aller au lit lorsque tu as appelé. Mais s'il te plaît, prends soin de toi maintenant que tu es en train de faire tes examens. Nous allons bien. Je t'aime, fils. Maman? Pourquoi ne dis-tu pas au prince que son père est mort? Et d'ailleurs, c'est quoi ces rapports que tu donnes au prince? Quel rapport? Maman, ne fais pas semblant. Nous tous ici savons que mon père n'était pas malade. Il était en bonne santé.
Comment tu peux dire au prince qu'il a été malade pendant quelques temps et il est mort de la maladie? Comment? Pardon, ne reste pas silencieuse, maman. Réponds-moi, maman. Qu'est-ce que tu me caches? Réponds-moi, maman. Qu'est-ce que tu m'as pas dit? Quoi? Et ce n'est pas vraiment une bonne chose. Avez-moi, il m'avait dit que son fils lui avait dit que... La reine savait que son mari était assassiné. Et vraiment, elle n'arrive toujours pas à être inquiétée. Et les gardes absents, elle ne veut même pas dire quelque chose les concernant. Et qu'en penses-tu? Elle doit être en train de préparer quelque chose. Et faute de quoi, et ça sent quelque chose de pas bien. Elle doit tenter de préparer quelque chose de mal. Je pense qu'il nous suspecte d'avoir une mainmise dans la mort de son mari. Mais le trône, c'est vraiment la cible. Mais tu trouves qu'elle ne peut pas croiser les bras et nous regarder agir? Exactement. Quiconque lui a fourni toutes ces épreuves doit être fort. Cette femme est prête pour les combats. Qu'allons-nous faire? Tu parles comme si tu as peur de cette femme. C'est une femme. Elle ne peut rien faire. Peu importe la stratégie qu'elle pense avoir, qu'elle vienne, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour l'anéantir. Elle ne peut absolument rien faire. Hein? Oh. Non, nous avons à tort compris qu'elle avait raison, mais on n'a pas peur d'elle. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah, Dieu merci, je t'ai trouvé ici. Je t'ai cherché partout. Pourquoi tu m'as plongé dans un problème sérieux? Hein? T'ai-je offensé? Hein? De quoi parles-tu? Que le Dieu te punisse, que la foudre s'abattre sur toi. Pourquoi tu veux faire semblant comme si tu ne sais pas de quoi je parle? Hein? Tu es parti dire aux gens que j'avais vu les gens qui avaient assassiné les rois. Quel est ton intérêt dans tout ça? Qui d'autre connaît à propos de ça? Hormis la reine et aussi les tu gardes. Mens, tu mais le non, sais. Non, je ne mens pas. Tu mens. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu décides de garder la vérité et que tu ne permets pas à ce que la mort de notre roi soit vengée. Mais rappelle-toi, ces trois gardes sont aussi morts avec le roi la même nuit. Et au moment où je vous parle, leurs corps sont introuvables. On cherche juste à savoir la vérité. Si tout ce que tu as vu cette nuit-là fait que les enquêtes soient faites, ces hommes qui ont assassiné notre roi doivent être arrêtés et envoyés par la police. Dis la vérité. Écoute-moi. Je ne peux plus propager la nouvelle tant que la reine m'a demandé de me taire. Quoi? Mon père a été assassiné? Et? Ma maman, c'est à propos de ça? Non, 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 ma princesse. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ma princesse. Ma. Tu vois? Ma princesse. Tu vois ce que tu as vu maintenant ce que tu as causé? Ma princesse. Inutile. Pourquoi? Je suis désolée, ma princesse. Je suis vraiment désolée. Est-ce vrai? Mon père a été assassiné. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, ma princesse.
Je suis vraiment surprise que la reine ne t'a pas dit. Mais s'il te plaît, ma princesse, fais-nous une faveur. Ne lui demande pas. Elle doit avoir des raisons de ne pas te le dire. S'il te plaît, ma princesse. C'est vraiment vrai. Je suis surprise qu'elle ne t'a pas dit. Donc c'est vrai. Je suis vraiment désolé, madame. Pourquoi? Je suis désolé pour cette idée erronée sur l'information. Je présume que Sa Majesté avait tort, mais j'ai été informé qu'il avait quitté le palais pour quelque chose de très très important. Et tu t'attends à ce que je puisse te croire? Comment est-ce que la reine peut sortir sans un garde et en plus sans que tu le saches? N'est-ce pas la femme qui a perdu son mari ne quitte pas les quatre coins de sa maison? Ou vous pensez que j'ignore tout ce qui est tradition? Ou vous pensez que je suis muette? Toutefois, je lui dois du respect parce que je suis dans sa maison. Elle a le droit de m'accueillir ou pas. Mais tu peux toutefois lui livrer mon message. T'a-t-elle aussi interdit de recevoir un message provenant de moi? Bien. Dis-lui que j'étais venue sympathiser avec elle pour la mort de son mari. Transmets-lui mes sincères condoléances. Et dis-lui que je suis disponible pour elle si elle a besoin de mon aide. Parce que très bientôt, elle en aura besoin. Et je suis disponible pour elle. Maman, pourquoi tu compliques la vie à certaines personnes? Pourquoi tu ne m'as pas dit que mon père a été assassiné? Où est-ce que tu as eu cette information? Oh, tu as cru que j'allais rester toujours ignorante? Tu sais que mon père n'est pas mort d'une certaine maladie. Mais maman, cependant tu as refusé de tout dévoiler. Tu n'as même pas voulu me dire, moi, ta seule fille. Maman, pourquoi? Tu ne vas pas comprendre. Bien sûr que je ne vais pas comprendre si tu ne me fais pas comprendre. Pourquoi n'as-tu pas eu l'initiative de m'expliquer, maman? T'inquiète, ma fille. Tu ne vas vraiment pas comprendre. Ça va plus te déranger. Moins savoir, c'est mieux. Ta copine est venue ici te rendre visite. Mais tu as refusé de la rencontrer. Tu évites tout le monde depuis que mon père est mort. Même ton seul frère, maman. Et tu crois vraiment que j'aurai pas de soupçons? C'est vrai ça? Choma. Je vais juste attendre. Je vais juste attendre. Et voir comment tout ceci va finir. Je vais juste attendre, maman. Es-tu sourd? Qu'est-ce que je t'avais dit pour ça? Ma reine, pardon, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. As-tu perdu ta tête? Tu veux dire qu'on parle désolé? C'est tout ce que tu trouves à dire? Je n'ai rien autre à dire. Je ne discutais pas avec d'autres personnes. J'étais en train de discuter ceci avec Tima, qui propage la nouvelle au palais que j'avais assisté au meurtre du roi. Elle venait lentement. Je ne savais pas qu'elle nous écoutait. C'est de là qu'elle a écouté ceci. Je suis désolé. Es-tu vraiment sûr? Oui, ma reine. Je suis sûr. Je jure. Je suis sûr. Vous pouvez demander même Uma.
Appelle-moi Oma. Oui, ma reine. Votre Majesté, oui. Les chefs sont ici, ils veulent vous voir. Si vous n'êtes pas prête à les rejoindre dans la chambre, ils peuvent venir ici vers vous. Dis-leur que je le verrai là-bas. Oui, Votre Majesté, excusez-moi. Bien. Je ne sais pas où vous avez eu cette information, mais Igwe n'était pas tué. Je ne me rappelle pas d'avoir discuté de ça avec quelqu'un. Mon mari était malade, et je pense que c'est cette maladie qui l'a tué. Vous voulez dire que vous, soit n'importe qui, vraiment n'a pas une forme de suspicion, soit une autre évidence qui démontre cela? Comme vous avez quelque chose à suspecter, si vous avez des preuves tangibles, s'il vous plaît, dites-moi, je suis tellement pressé de l'entendre. C'est de mon mari que nous parlions ici. Ma reine, comme nous venons de le dire tout à l'heure, nous l'avons entendu par une rumeur, mais nous sommes venus l'écouter directement de vous ou nous dire une autre version, la raison pour laquelle nous sommes ici. Vous demandez nous-mêmes. Parce que la personne en question était notre chef suprême. Vous avez accepté de croire sur mon témoignage? Bien sûr que non. Ma reine, qu'en est-il de la rumeur des gardes en disparition? Vous avez quelque chose? Rien de tel. Merci, ma reine. Nous vous avons écouté. Et nous croyons en vos mots comme une vérité absolue. Nous voulions juste que vous nous renchérissiez sur quelque chose de nouveau. Nous croyons en fait que la mort de notre Igwe était la volonté des dieux. Et que nous pouvons maintenant procéder à d'autres arrangements. Bien sûr, bien sûr. Je ne pense pas que ça peut se faire en l'absence du prince qui est en vie. Le prince Odile, le grand prince, l'héritier du trône. Non, qu'il vienne ou pas, il ne changera rien. Ce n'est pas un problème. Bien sûr que non. Bien, vraiment j'ai l'espoir qu'il est convalescent. Quel jour que nous devons l'attendre? À n'importe quel moment. À n'importe quel moment à partir d'aujourd'hui, il sera ici. Oh, c'est bien. Avec tout le respect, Votre Majesté, je le trouve difficile à comprendre. Pourquoi voulez-vous que nous restions silencieux? Permettez-moi de vous rappeler rapidement, Votre Majesté, que trois d'entre nos gardes, la même nuit où notre Igwe a été tué, et bien sûr que c'est à mon pouvoir de protéger ses gardes. Votre Majesté, ce n'est plus du nouveau que Igwe a été assassiné. Et je sais juste de... Et voilà pourquoi je vous avais interdit de répandre cette nouvelle. Je sais pourquoi je vous ai demandé de garder silence. Désolé pour la mort de trois de vous. C'est l'attitude d'une personne qui a ses raisons particulières. Mais mon mari et les gardes ne pouvaient pas mourir en vain. Ils devaient bien réussir. Je fais ça pour le bien de notre terre. Je veux que vous restiez silencieux. La pression est partout. Ils vont toujours compliquer les choses. Je ne veux pas tirer une attention. J'ai besoin de les résoudre de ma façon. Je veux que vous restiez calme. Restez tranquille et je vais les résoudre moi-même. Je me suis fait comprendre. Oui, Votre Majesté.
Oui, votre majesté. Je veux que vous partiez dire aux autres le même message. Vos mots sont des ordres, votre majesté. Excusez-nous. Ce que cette femme était en train de dire hier, c'est comme s'il est en train de prévoir d'installer ce jeune homme sur ce trône. Oui. Bien sûr que oui. Oui. Oh, y a-t-il de doute? Il n'y a rien à douter. Nous savons tous que c'est son droit de naissance. Oui, oui. Et voilà pourquoi. C'est son droit. Et il est le prince héritier de ce royaume. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce jeune homme est encore très jeune pour avoir ce trône. Écoutez, nous sommes en train de parler de ce jeune homme qui a quitté la terre de ce pays pour aller dans la terre de l'homme blanc depuis l'âge de 10 ans. Vas-y, dis-leur. Et maintenant, il revient. Pour représenter quoi? Que connaît-il à propos de notre vie? Que sait-il à propos de la manière dont nous pensons? Que sait-il à propos de toutes nos choses? Hein? Apprends-le. L'apprendre quoi? Apprends-le notre culture et notre tradition. Après tout, c'est ton neveu. Ah, voilà, voilà, voilà. Il n'y a rien. Écoutez-moi, il n'y a rien. Absolument rien à l'enseigner. Mais de quoi parlez-vous? Alors laissez-moi vous dire une vérité. Ce garçon n'est pas qualifié, et ça vous le savez tous, pour devenir notre roi. Hein? Oui, et si vous commettez la plus grande erreur de laisser ce garçon s'asseoir sur le trône, il ne va nous diriger nulle part, absolument nulle part. Ifeanyu, c'est tout ce que tu dis? Ah, mais comment peux-tu? Est-ce que tu essayes de refuser à ce garçon son droit de naissance? Oh non, je peux constater que tu es un très grand bête. Moi? Tu n'as pas une tête pour réfléchir. Tu prépares quelque chose. Bata, 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 bata. Les hommes sont assis ici. Essayons de discuter sur l'avancée de cette communauté. Tout ce que tu peux nous dire, c'est droit de naissance. Est-ce que c'est toi qui donnes ces droits de naissance? Toi, Onochi, hein? Cette communauté a besoin d'un homme qui est courageux. Un homme qui est très intelligent pour pouvoir piloter les affaires de cette communauté. Quelqu'un qui peut attirer le gouvernement pour développer notre vie sociale. Pas comme son père qui était en train de nous conduire à nulle part. Remercions le Dieu que la mort l'a écarté de nous. Eh oh! Oh Noche, laisse-moi te dire. Obi est un garçon qui ne peut que diriger ce trône dans les livres historiques. Mais en ce temps, ce ne sont que des gens qui ont grandi. Si peut-être vous ne le savez pas. Attention avec ta langue, Ichie. Tu m'interdis de dire la vérité. Ichie, apprends à fermer ta bouche. Tu ne peux pas le dire. Je l'ai dit. Moi, Hiroka, je l'ai très bien dit. Je suis d'accord. Oui, oui. C'est très clair que vous devez l'entendre. Oh, il dévoile le plan. C'est par l'anus que vous pouvez entendre. Je suis d'accord avec toi, Ichie Luka. Ce jeune homme n'a pas la qualité d'initier un changement crucial que cette communauté a besoin. Je veux dire, tous les villages voisins et villes nous dépassent de loin. Regardez un peu, récemment, un homme africain avait découvert notre terre. Les investisseurs viennent, ils arrivent. Oui, oui. Nous avons besoin d'un homme fort, oui, oui, qui peut succéder à ce trône, qui peut protéger nos intérêts. Vous savez, si par hasard nous donnons le trône à ce jeune homme, il ne peut pas nous élever à un niveau auquel nous avons besoin. Nous le savons. Je veux dire, ce jeune homme ne peut pas prendre ce trône. Onou, Onou, est-ce que tu entends? Onou, dis quand même quelque chose. Onou, comment peux-tu te mettre là? Et que tu gardes silence pendant que ces deux hommes... Dis quand même quelque chose, Onou. Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu que je dise? La voix du peuple, on dit que c'est la voix des dieux. Bam! C'est la majorité. Tu vois ça? Si mon peuple dit qu'il ne veut pas, mon neveu, qu'il occupe ses postes dans ses royaumes, et qui suis-je pour dire autrement? Oh non! Nous devons quand même essayer de faire quelque chose. Et la sagesse doit être notre guide. C'est ce qu'on doit comprendre dans notre royaume. Oui, c'est ce qu'il doit aussi comprendre. Bien dit, Ono. Bien réfléchi. Avec beaucoup de sagesse. Non. Quel qu'en soit le problème, nous allons soutenir la vie des anciens. Et Izuna. Izuna, oui. Il devient leur une plaie sur notre peau. Et nous devons faire quelque chose. Nous devons la faire vite, parce que le temps n'est pas à notre faveur.
on doit faire vraiment. Oui. Absolument. Oui. Mais une chose est sûre. Nous devons accéder à ce trône. Nous avons gâté notre grosse migraine dans la personne du roi. Oui. La mère et le jeune garçon ne sont pas le problème. Même pas si c'est réussi. Voici l'opportunité que nous attendons depuis très longtemps. Et nous ne devons pas la rater. Oh, tu as absolument raison. Oh, oh non. Tu sais vraiment comment nous serons une fois que nous aurons, moi particulièrement, j'aurai accédé à ce trône. Et toi, en tant qu'Onohou. Tu sais que nous pouvons devenir le plus riche de notre village. Ouais. Les plus riches. Et avec toi, et avec certainement ton concours. Nous serons au plus haut niveau de la société. Qu'en penses-tu? J'avais insisté que Hugo puisse être mis de côté. Si nous le laissons là-bas, je crois qu'il va grandir et puis il va atteindre un niveau inimaginable. Alors, nous n'aurons pas de problème contre ses ancêtres. Vraiment. Ça, c'est vrai. Oh, mon frère. Raison pour laquelle nous devons emmener en tir. Démolir. Détruire n'importe qui et n'importe quoi qui viendra s'obstruer sur notre chemin. Et sans pitié. Et sans pitié. Oui, oui, on va y arriver. Ma reine. Oui. Je pense qu'il est important que je vous informe ceci. Les choses sont en train de prendre une autre direction dans notre royaume maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un plan qui est mis sur table pour ramener ce trône en dehors de votre famille. C'est tout ce que tu as à me dire? Oh, regarde. Ce n'est pas une aventure. Vous devez vraiment considérer ce que je vous dis. Je sais. Bien sûr que je sais que tu me dis la vérité. Je sais très bien que c'est pour ça qu'ils font tous ces plans. Ils ont les yeux fixés sur le trône. Ils veulent ravir le trône de cette famille. Mais je ne m'inquiète pas, parce que je sais qu'ils ne vont pas réussir. Non, ma reine, vous devez vous inquiéter. Hein? Vous devez vraiment savoir qui est-ce qui sont derrière ce plan. Car c'est vraiment... Je le connais tous. Je veux juste qu'ils puissent dévoiler leur plan. Et ils verront ma réaction. Ne t'inquiète pas. Mon fils est en train de venir récupérer le trône de son père. Il n'y a pas deux manières à faire. Ne te dérange pas pour ça. Donc l'oncle est mort. Vraiment? Je pensais que c'était juste une rumeur. Non, fils. Non, ça ne l'était pas. Et sa mort était un choc pour nous tous. Le royaume a perdu un grand homme. Il n'était pas seulement un oncle pour toi, un leader, même pas un cousin pour moi, mais une source de motivation, une fierté. Honnêtement, ça me prendra beaucoup de temps pour l'oublier. Vraiment beaucoup de temps. Papa. Papa, s'il te plaît, ne pars pas là-bas. Ça me brise le cœur. Je n'arrive pas à penser quand est-ce que oncle était très gentil à mon égard. Il me prenait comme sa propre fille. Il était le deuxième père que j'avais. Oncle... Pourquoi tu ne m'as même pas dit au revoir? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es parti? Pourquoi? Non, ça peut pas être vrai.
ça ne peut pas être vrai. Papa, nous n'avons pas entendu que l'oncle était malade. Non, c'est pas vraiment ça. Regarde un peu. Les larmes ne le mettent pas en V. Parce que si ce n'était le cas, depuis que vous êtes revenu de l'école, on aurait déjà rencontré beaucoup de sauts et de sorts de larmes. Pardon, calmez-vous. Papa, est-ce que c'est de notre faute? Non, je ne vous condamne pas. Papa, tu ne peux pas nous condamner. On n'a pas pu aider. On se sent si mal et vraiment choqué. Vraiment, il était très cher pour nous. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Avez-vous déjà commencé les arrangements pour son enterrement? Non, on est en train d'attendre son fils. Il va bientôt venir. Papa, es-tu sérieux? Oui, oui. Tu veux dire que mon cousin est en train de venir? Oui, wow. Bien sûr. Je suis impatiente de le voir. Je ne me rappelle même plus de son visage. Bien, personne d'entre nous ne peut. Je peux encore avoir du dé sur ce à quoi il peut ressembler. Je me rappelle, il avait quitté quand il avait... 19. Je crois que tu vas le reconnaître quand tu le verras. Que son âme repose en paix. Amen. Oui, fils. Tu as dit que tu as fini tes examens? Oh, c'est bien. Ah, tu nous manques tous. Alors, c'est comment ton programme? Les week-ends, ça sera une bonne chose. Mais nous ne sommes pas en ville, nous sommes tous au village maintenant. Oui. J'enverrai quelqu'un pour te récupérer si tu ne vas pas te retrouver. Personne n'est ici maintenant. Mais nous allons tous bien. Oui. Porte-toi bien, ok? Et prends bien soin de toi. Je t'aime aussi, bébé. Tu ne dors pas encore? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que réellement se passe ici? Je ne comprends pas. Arrête ça! Arrête de faire semblant, arrête ça! Pourquoi ne veux-tu pas dire à mon frère que son père est mort? Pourquoi caches-tu la vérité que mon père a été assassiné? Qui essaies-tu de protéger? La ferme! La ferme! Je ne me permets pas de fermer la bouche parce que je ne veux pas le fermer! Oui, je ne le ferai pas! Qui protèges-tu? Es-tu impliqué d'une certaine manière dans la mort de mon père? Comment oses-tu? N'importe quoi! Comment oses-tu? Allez, sors de ma chambre maintenant! Allez, va-t'en! Qu'est-ce que nous pouvons encore dire, Votre Majesté? Nous vous prions d'accepter nos sincères sympathies. Vous voyez, oncle était comme un père pour nous. Mais jusqu'à ce temps, je prouve toujours une difficulté d'accepter du fait que je ne reverrai plus jamais notre Igwe. Il a brisé mon cœur. Mon cœur saigne. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Il n'y a personne qui sait le plan des dieux. Nous devons seulement accepter la situation, que sa volonté soit faite. Exactement, mon fils. Sa volonté primera toujours. À chaque fois que je pense à sa mort, je me pose plusieurs questions. Mais il n'y a pas de réponse. Juste comme les gens le disent.
Peut-être que c'est la volonté des dieux qu'il soit parti. Mais je peux dire merci pour tes mots d'encouragement. Né, comment à l'école? À l'école, ça va, votre majesté. Notre second semestre prend fin la semaine prochaine. Je viendrai vous voir et la princesse. Votre majesté. Nous partageons votre douleur. S'il vous plaît, accepte nos condoléances. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Votre majesté, papa nous avait dit que notre cousin, le prince, va très bientôt revenir au pays. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il est l'unique fils, l'héritier du trône. Il doit vraiment être là pour assister à tous les arrangements qui se font pour l'enterrement de son père. Waouh, c'est vraiment bien. Nous attendons le voir encore après plusieurs années. Votre Majesté, il y a deux hommes qui veulent vous voir. Ils ont dit qu'ils représentent la grande entreprise qui veut investir sur notre terre. Que puis-je leur dire? Ikasi. Oui, votre majesté. Je t'ai dit que je ne suis pas d'humeur de recevoir le gens aujourd'hui. Es-tu muet? Cet ordre n'a pas pris fin. Ça n'a pas encore pris fin. Comme bon vous semble, votre majesté. Excusez-moi. Oh, votre majesté, désolée. Ça ira. D'accord, je suis très ravie. Merci beaucoup, votre majesté. Chifeibu, es-tu sûr de cette information? Si je te disais que tu es stupide, qu'est-ce que tu diras que je blague, n'est-ce pas? Et pourquoi tu me poses une question stupide? Non, mais est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui peut ouvrir sa bouche pour sortir de bêtises? Je te rappelle que je ne suis pas ce genre de personne. Et comme je te parle maintenant, ces gens-là sont déjà au palais. Elle a dû stopper les investisseurs qui sont venus investir ici sur notre terre. Oui, et elle n'a même pas pu leur accorder un mot. Un mot d'accueil. Tu peux imaginer? Hein? Ok, d'accord. Où est-ce que tu as eu cette information? Comment cette information m'est parvenue? Ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que nous sommes en train de tout perdre. Mais là, laisse-moi te dire que tout ce qui se passe dans ce royaume va de mal en pire. Oui, parce que le roi, le défunt roi, n'était rien d'autre qu'un végétarien. Il n'a rien fait dans son royaume. Il a ramené des choses de mal en pire. Et vous voulez que les choses continuent comme ça? Nous n'allons pas permettre que cela n'arrive. Non! Mais comment? Ok, alors si tel est vraiment votre souhait, laissez-moi vous dire une chose, oh. Il serait mieux que vous agissiez en tant que de très grandes personnes, oh. C'est vraiment la première fois que je t'entends parler comme un être humain. Tu sais vraiment pourquoi moi, je suis décidé de t'en parler? C'est parce que tu parais être la personne qui la soutient. Oui, avec Ike Ozuna. Ainsi que celui-là qui n'arrive même pas bien parler. Et l'autre là. Oui, tous vous les soutenez. Ce n'est pas un problème. Maintenant là, je vais chez Onoo là. On va discuter, on va délibérer sur la façon comme on va pousser ce royaume vers l'avant. Parce que c'en est de trop. Y a pas de problème. Quand tu vas chez Onoo, j'irai avec toi. De telle sorte que nous trouvions une solution ensemble pour arranger les choses. Tu sais que on a vraiment besoin le fait de comporter les informations d'un camp à un autre. Je te promets que je ne serai pas d'accord avec toi. Ah, ne t'en fais pas pour ça. Et quand tu nous avais trahis avant, on savait que tu allais le faire. Allons, Isseibu, calme-toi. Fais-moi confiance cette fois-ci. Ah, c'est vraiment difficile. Dis-moi, quand est-ce que tu vas rentrer en ville? Demain. Ça, c'est bien. J'aimerais que tu te focalises à écrire tes papiers. Ne laisse pas cette erreur commise par sa majesté troubler ton cœur. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. On ne peut que croire en Dieu. Ouais, ça c'est vrai. Ça ne peut qu'être difficile. Ouais.
Mais t'inquiète, je vais essayer. Je vais essayer. Princesse, je voulais demander ceci. Ok. Qu'est-ce qui l'a tué? Parce que je sais bien qu'il n'était pas malade. Ma chère, je ne sais pas vraiment quoi dire. Mais tu ne peux croire à ça. Mon père a été tué. Ah! Tué? Comment est-ce que ce n'est pas connu? Oui, parce que ma mère avait refusé de te dévoiler. Il y a même des gardes qui sont portés disparus depuis que mon père est mort cette nuit-là. Oui, elle a refusé de le partager. Mais pourquoi? Je veux dire, ça peut être pourquoi? Je ne sais pas. C'est la question que je me suis toujours posée depuis que mon père est mort. Oui, ma maman est devenue une autre personne. Parfois, elle se condamne elle-même. Elle a totalement changé. Je ne peux mettre mes mains au-dedans de l'air blanc. Goma, est-il possible qu'elle tue mon père? Oh! Oh! N'ose plus dire ça. Ne le dis plus. Lolo, on dit toujours que le changement est dynamique. Ce royaume a besoin d'un changement important. Nous ne pouvons pas croiser nos bras et regarder que les choses se passent mal. Comme un royaume, nous avons toujours mis nos têtes ensemble pour chercher une tête. Jusque-là, tu n'as encore rien dit. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que vous avez emmené ici? Non, ma reine. Je ne veux pas que vous compreniez mal cela. C'est vraiment bon. C'est vraiment pour le bien de ce royaume. Nous voulons juste dire que nous voulons désigner quelqu'un. Vous voyez, qui aura la même position que le roi. Dans le but d'alléger la tâche à la royauté en faisant ceci ou en faisant cela. Et après l'enterrement de votre mari, notre roi, et que son fils soit confirmé, alors cette personne va remettre le pouvoir. C'est exactement ce dont nous sommes en train de parler. Et c'est pour le bien du royaume. Mais Ono, où est là? Ono, oui. Ma reine, faisons un peu la part des choses. Faisons la part des choses. Léonou et les rois sont deux personnes différentes. C'est ça. Hein? Il y a deux positions qu'ils détiennent. Les rois et les numéros un dans ces royaumes et tout étranger qui viendra les verra en premier lieu. Vous pouvez voir, ce poste est seul dont nous avons besoin. Alors nous avons besoin d'un homme fort pour occuper cette position. Rien que pour le bien du royaume. Ça n'arrivera jamais. M'avez-vous entendu? Ça ne marchera pas. Pour qui me prenez-vous? Pensez-vous que je suis folle? Je connais très bien votre target. Je sais pourquoi est-ce que vous étiez en train de vous réunir chaque fois. Je cherchais que vous puissiez vous prononcer. Vous savez quoi? Vous avez échoué. Eh ouais. Je garderai cette position jusqu'à ce que mon mari sera enterré et mon fils sera couronné. Point final. Revenez un peu. Revenez un peu. Hey. Elle s'est fâchée. Elle est vraiment partie. Elle est très difficile. «
Bon après-midi, monsieur. Bienvenue dans notre hôtel. Et comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Oui, je voudrais une chambre très large, vraiment beaucoup d'espace. Et surtout, je voudrais un jacuzzi. Ok, monsieur. Nous avons pour le singleton 13 000 naira et pour le couple 20 000. Je pense que je voudrais le deuxième. Ok, monsieur. S'il vous plaît, pouvez-vous signer ici? Ok, d'accord. Alors, c'est déjà fait. Tu as dit que c'est 20 000, n'est-ce pas? Oui. Voyons, qu'est-ce qu'on a? Merci, monsieur. Waouh, merci. Merci. C'est bon, vous pouvez partir. Je t'en prie. Oh, d'accord. Prends soin de toi. Ok, bye. Bonne journée, monsieur. Oui, fils, comme j'étais en train de dire, nous ne pouvons pas arriver en ville, mais je peux t'envoyer quelqu'un. Mais s'il te plaît, reste d'abord là jusqu'à ce que je te demanderai de venir ici. J'enverrai quelqu'un pour te donner un message. Maman. Oui, fils. Je n'arrive à rien comprendre. Pourquoi ne puis-je pas rentrer maintenant? Je te dirai quand est-ce que tu viendras. Dis-moi, maman, est-ce que tu vas bien? Oui, tout va très bien. Nous allons tous bien. Ok, maman. Tout va très bien. S'il te plaît, reste dans ta chambre d'hôtel jusqu'à ce que je te dirai de venir ici. Je t'en prie. Pardon. Tu sais que tu n'es pas habitué à la ville. D'accord, tu as vraiment raison. Je t'ai écouté, maman. Je resterai là jusqu'à ce que tu me feras signe, d'accord? Ok, amour. Prends bien soin de toi. Sois prudent. Bon sommeil, maman. Je t'aime, bébé. Bye. Maman, tu m'as appelée. Oui, bien sûr. Ma fille bien-aimée, viens. Approche-toi de maman. Viens. Je suis désolée. Je t'aime. Et tu le sais. Je n'aime pas te voir triste. Désolée de t'avoir blessée l'autre fois. Tu ne faisais pas attention aux mots que tu sortais. Et je ne pouvais pas contrôler mes émotions. Tu sais très bien comment est-ce que j'aimais ton père. Dans ton intérieur, tu sais bien que je l'aimais beaucoup. Et tu as confiance en moi. Je sais pourquoi j'ai soudainement changé. Quelques gens gourmands ont tué ton père. Ils ont les yeux sur les trônes. Les trônes? Oui, le trône. Leur target, c'est les trônes. Je suis en guerre contre eux. Je ne croiserai pas le bras et le laisser prendre ses trônes. Je veux que tu puisses me tenir en compagnie. Aie confiance à ta mère. Sois de mon camp. La victoire sera la nôtre. Maman, qui sont ces gens? Dis-moi. Tu n'as pas besoin de les connaître. Je ne veux pas que tu aies une dent contre quelqu'un. Mais mets ça en tête. La bataille de la royauté est dans ce royaume. Oh oui. Mais la victoire sera la nôtre. Oui, maman. Oui. S'il te plaît, aie confiance en moi. Aie confiance en moi. Je t'envoie vers lui en tant que son garde spécial. Mais tu dois collaborer avec lui en tant que membre de ta famille. Rappelle-toi que sa sécurité doit vraiment être ta priorité. Je me suis fait comprendre. Oui, Votre Majesté. Bien. Et puis-je demander à Votre Majesté, comment pourrais-je reconnaître le prince une fois que je l'aurai vu? Si tu le vois, demande-lui. Dis une marque d'empreinte du côté de sa main gauche. C'est à côté de l'abdomen. Si tu vois ça, tu sauras que c'est un prince.
N'oublie pas du tout. N'ose pas lui dire quelque chose qui se passe ici au palais. Tu ne dois pas les mentionner pour lui. Je lui dirai au bon moment. Je me suis fait comprendre. Oui, votre majesté. Tu peux partir. Excusez-moi. Non, non. Tu dois accepter que tu n'as pas compris nos intentions. Personne n'a l'intention de ramener ce trône en dehors de cette famille. Tout ce que nous faisons, c'est juste pour le bien de tous. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui est juste là, juste à ce que le roi soit enterré. Et pourquoi ne pas me mettre moi? Je veux dire, pourquoi ne puis-je pas l'occuper jusqu'à ce que mon mari y sera enterré? Oh, bon sang. Les choses doivent être faites proprement, hein? Il y a certaines positions que les femmes ne peuvent pas occuper. Et tu es une femme. Et alors quoi? Écoutez-moi très bien. Je connais très bien le plan. Comme je l'avais déjà dit, ça ne marchera pas. Je ne vais jamais, je ne donnerai jamais le leadership de ce royaume à quelqu'un ici. Excepté à mon fils. Oh, calme. Tu es en train d'amener ce truc très loin, hein? Hein? C'est plutôt moi qui vais occuper ce poste. C'est pas un étranger. Je suis membre de la famille. Ça en va de même. C'est mais nous ne donnons pas une autre personne. Peut-être que je ne vous ai jamais dit. Je préférerais le donner à quelqu'un de l'extérieur que à vous. Vous m'avez très bien compris. Le grand Hidekuru. Le grand Hidekuru. Le tout-puissant 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 Hidekuru. Le grand Hidekuru. Ce soir, nous avons un moment spécial avec le tout-puissant Hidekuru. Comme il fête ses 100 ans d'anniversaire. Comme ses 100 ans d'anniversaire, c'est une victoire. Tout-puissant Hidekuru veut nous parler directement. Mais avant de commencer, qui d'entre vous a une demande ou autre chose de nous poser avant Hidekuru? Monseigneur spirituel. Quel est ton problème, fils? C'est à propos du trône de ce royaume. J'ai très valablement respecté tout ce que vous m'aviez demandé, et comme le seigneur Hidekuru l'avait voulu. Après l'assassinat de Igwe, tu m'avais rassuré que la voie vers le trône sera ouverte. Mais cette femme, cette reine, est vraiment devenue un obstacle à cette prophétie. Et tu m'avais promis que tu ferais certains rituels qui vont me fortifier. Mais il n'y a rien de tel. Son cœur devient beaucoup plus dur que je le connaisse. Je veux juste savoir pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été convaincue. Ne crains pas, fils. Le seigneur Hidekuru, il prend soin de toutes choses. Garde silence et laisse-le faire le reste. Tout-puissant Hidekuru. Grand Hidekuru. Tout-puissant Hidekuru. Grand Hidekuru.
Tout-puissant Idekulu, grand Idekulu. Je crois que c'est de ma faute. Est-ce que l'on se connaît? Il se peut que je t'en trouve un autre. Non, t'inquiète. Je vais très bien. Merci de ta gentillesse. Es-tu sûr? Ouais. Oh, bienvenue encore. S'il te plaît, donne-moi un autre feuille rose. Allô? Oh, comment tu vas? Ok. Où es-tu maintenant? Pourquoi ne pas m'attendre là-bas? Je vais arriver dans très peu de temps. Merci beaucoup. Et voilà. Oh. Merci. Merci beaucoup. C'est vous qui me cherchez? Oui. C'est vous le prince? Oui, bien sûr, je suis le prince. J'espère que ça ne vous dérangerait pas si j'essayais de vérifier. Et j'ai de tâches de naissance? Oui. Ok. Vas-y. Merci. Salut, mon prince. Oh, je t'en prie. Merci beaucoup. Désolé de t'avoir fait patienter. Je me reposais à la piscine. Oh, c'est d'accord, mon prince. C'est d'accord. Et pourquoi n'est pas entré? Alors, prends place. Merci, mon prince. Alors, dis-moi, comment se passent les choses là-bas? Tout le monde va très bien, mon prince. Je suis heureux d'apprendre ça et je dois vous avouer que vous m'avez beaucoup manqué et que j'ai vraiment hâte de vous voir tous.
Alors, dis-moi, quand est-ce qu'on va partir? C'est demain, je pense. Pas vraiment, mon prince, je suis désolé pour ça. Nous attendons les instructions de Sa Majesté. Là, je ne te saisis pas. Pardonne ma curiosité. Pourquoi est-ce que nous devons attendre les instructions de Sa Majesté avant de quitter? Et que signifie tout ceci? Sa Majesté a fait ceci, Sa Majesté a fait ça. C'est quoi? Et pensons à ceci un peu. Qu'en est-il de mon père? Ma maman m'a informé qu'il ne se sentait pas bien et qu'il ne pouvait pas parler. Alors, je me demande pourquoi est-ce que je ne peux pas communiquer avec lui? Et pourquoi est-ce que c'est ma maman qui fait la loi présentement? Je suis désolé, mon prince. Je suis vraiment désolé. Ne sois pas ridicule, mon frère. De quoi es-tu désolé? Mon prince, je n'ai pas de réponse à ce genre de questions. Hein. Mais est-ce que tu es sérieux? Je viens d'être informé maintenant que le prince est déjà au pays. Quoi? Quoi? De pas plus. Oh non, mais je suis très sérieux, je sais de quoi je parle. Et du moment où je suis en train de vous parler maintenant, sa maman, la reine, lui a déjà envoyé une garde. En fait, la garde secrète, c'est vraiment secret que même sa fille, la princesse n'en sait rien. Vous comprenez ça? Cette femme est en train de tout orchestrer dans le secret, je sais pas. Ne vois-tu pas que cette femme est en train de planifier quelque chose? Oui, en effet, elle a un plan. Mais mon problème est celui-ci. Qu'allons-nous faire? Parce que cette femme prépare quelque chose. Elle est capable de tout faire. Parce que personne ne sait les derniers aboutissants de ses propos. Elle peut décider de remettre tout le pouvoir à son fils. Et par conséquent, nous allons tout perdre, tout ce que nous occupons présentement là. Et ça, ce n'est pas possible. Ça fait un bout de temps que je remarque quelque chose avec nos chefs déjà. Je suis sûr qu'ils planifient quelque chose. Es-tu sûr de ce que tu dis là? Oui, ils planifient quelque chose. Et nous devons agir rapidement. Oui. Alors que pensez-vous qu'on puisse faire? Pourquoi ne pas voir notre maître spirituel? Il va nous éclairer sur ce qu'on doit faire. Oui, je pense que tu as raison. Oui, c'est comme ça, le seigneur spirituel, le maître. Oui, et là, nous devons agir vite. Hein. Mon Dieu, est-ce que je vais encore le revoir? Je doute fort. Hey, j'ai pris que je puisse encore le revoir. Il est très charmant. Il y a quelque chose en lui que je n'arrive pas à supporter. Mais attends d'abord. Pourquoi n'a-t-il même pas demandé mon nom? J'allais les lui donner avec joie, tu sais. Merde. Mon Dieu, cette fille a captivé mon attention que je n'arrive plus à réfléchir sans elle. Jusqu'à quand continuerai-je à tout gâcher? Je crois que je pourrais encore la voir. Je prie que cela m'arrive. Ma reine, nous avions une réunion aujourd'hui dans la maison de Honohu. Et nous avions eu des conclusions décisives. Que le prince doit revenir dans les 7 prochains jours. Dans le but de pouvoir rendre hommage à son père et ce de manière respectueuse. Je sais pourquoi j'ai été envoyé de vous dire. Ok, je t'ai entendu. Ok. Ma reine, je dois vous dire quelque chose. Vous devez être vraiment prudente. Je crois que ces gens ont quelque chose derrière la tête. Est-ce que vous me comprenez, hein? Vous devez faire vraiment attention. Pardon. Ichi Onoche, merci énormément pour ta gentillesse. Ne t'inquiète pas pour moi. Je prendrai très bien soin de moi-même. Bon allez, oh. Merci.
au spirituel. Cette femme. Cette femme. Prépare quelque chose. Nous avons été informés là que. Et elle est en train de se préparer à remettre le pouvoir à son fils sans notre consentement. Au moment où je vous parle, ce garçon est déjà au pays. Et il peut revenir dans ce royaume à tout moment. Onowu, tu n'as aucun problème. Mon œil est sur ces garçons. Il ne peut jamais mettre ses pieds dans la terre des vivants. C'est ce dont tu as besoin? Grand maître spirituel. Je crois que ça sera très bien. Considère que c'est déjà fait. Oui, entrez. Mon prince, nous avons maintenant la permission de Sa Majesté de pouvoir rentrer au royaume. Ils nous attendent tous. Oui, je suis au courant. Il y a quelque chose que je voudrais te demander par rapport à cela. Et pourquoi est-ce que ça doit toujours être au maman? Rappelle-toi que je t'ai posé cette question avant, mais tu avais dû échapper à cela. Et présentement, je t'en pose pour une deuxième fois. Où est mon père? Est-ce qu'il va très bien? Mon prince, son Altesse est en bonne santé, vraiment en forme. Et pourquoi est-ce que ça doit toujours être ma maman, hein? Je crois que tous vous êtes en train de me cacher quelque chose, mais ça me dérange. Depuis que je l'ai remarqué, je manque de paix. Et si tel est le cas, pourquoi ne puis-je pas parler à mon père alors? Je suis vraiment désolé, mon prince, je ne peux pas répondre à cela. Ma prince, nous serons déjà partis d'ici demain à 10h. Pourquoi à 10h? Je pensais qu'on devait prendre le vol de 11h, non? Oui, mon prince, votre avion va décoller déjà à 11h. Du moins, nous devons être là 30 minutes avant le décollage. Il n'y a pas de problème alors. Dans ce cas, permets-moi de prendre quelque chose dans le supermarché et puis on va y aller. Et ce n'est absolument pas un problème, mon prince. Dans ce cas, j'irai avec vous. Si tel en est le cas, je... Non, je peux facilement aller seul. Et j'ai mes raisons. Alors bonne nuit. Comme bon vous semble, mon prince. Mon frère, pardon, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu peux me déposer au supermarché? Je ne sais pas d'où tu parles. Cette première boutique avant le supermarché, là, tu trouves? Oh, c'est de là que tu parles? Oui. Là, au moins, je connais. Entre comme ça, je vais te déposer là-bas. Pas de problème. D'accord. Thank you.
Où sont-ils? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les sauver? Il y a des gens à l'intérieur. Ah, oh mon Dieu! Aie pitié! Seigneur! Seigneur! Non! À l'aide, s'il vous plaît, à l'aide! À l'aide, s'il vous plaît, attendez! À l'aide, s'il vous plaît! À l'aide! Venez! Venez nous aider! S'il vous plaît! Aidez-nous! Venez, s'il vous plaît! Ah! Aidez! Oh Seigneur, pitié! À l'aide! Oh! Oh non, oh, c'est morts, pas vrai. Oh, mais il respire encore. Respire oh mon encore. Dieu. Ah. Hey, est-ce que ça va? Ça va? Est-ce que ça va? Ah, vas-y. Oui, vite. Oh mon Dieu, non, c'est pas vrai. Réveille-toi. Est-ce que ça va? Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose, sauvez sa vie, occupez-vous bien de lui, s'il vous plaît. Ok, docteur, s'il vous plaît, pour l'argent, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. S'il vous plaît, docteur, faites bien votre travail. S'il te plaît, qui est-il pour lui? Il est mon ami, mon meilleur ami. C'est mon ami. Vous ne désirez pas me défendre des membres de sa famille pour les traiter, docteur, s'il vous plaît. Sauvez juste sa vie, s'il vous plaît. Jeune dame, on ne l'a pas abandonné. Mais, comme tu peux le voir, on lui a donné quelques médicaments. Mais avec de telles conditions, on a besoin de sa famille. Je crois que tu peux comprendre. Excusez-moi, docteur. Oui? On a finalement accédé à son téléphone. On a eu quelqu'un qui a dit qu'il est son garde du corps. Garde du corps? C'est ce qu'il a dit. Un garde? C'est vraiment un VIP ou quoi? Dis-moi. Docteur, s'il vous plaît, oubliez un peu ça, docteur. Prenez juste soin de lui, je vous en prie. Mais tu as dit docteur. Que c'est ton ami. Oui, c'est mon ami. Qui es-tu? Docteur, sauvez d'abord sa vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Pourquoi est-ce qu'il a éteint le téléphone? Maman! Alors, est-ce que tu as pu les joindre? Leurs téléphones sont éteints. Donc tu n'as pas pu les joindre du tout? Pas du tout, même Cassis, ton téléphone aussi ne passe pas. Je vais d'abord réessayer. Oh, Cassis. Oui, ça sonne maintenant pour Cassis. Bien. Allô? Cassis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ceci signifie? Pourquoi avez-vous éteint vos téléphones? Votre Majesté, nous sommes en route vers l'aéroport. Ah! Donne le téléphone, s'il te plaît. Ok, mon prince. Votre Majesté, il est en train de parler au téléphone. Vous causerez juste quand il aura fini. D'accord, c'est bon. Oh mon Dieu. Maman, qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont en route. Oh, merci Jésus. Hey,
Ils m'ont fait peur. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Hey. Ciel. Dieu merci, ils sont en route. Oui. Excusez-moi, docteur. Je suis en train de chercher un certain garçon qui est amené ici. Jeune homme, tu es la personne qu'on a contactée au téléphone. Oui, docteur. C'est en fait moi qui suis en train de le prendre en charge. J'ai reçu l'appel. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et il s'est identifié comme s'il est de cet hôpital. Docteur, pardon. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ok, allons-y. Mon Dieu, mon prince, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Quoi? Ogoma? Kasi? Comment tu es arrivé ici? C'est à moi de te demander ça. Que fais-tu ici à Lagos? Je suis venu pour le... Tu les connais? Qui est-il? C'est le prince héritier du trône de notre royaume. Et c'est le fils du roi. Quoi? Oui. Le prince Odélé, mon cousin? Donc, tu veux dire que c'est de cette façon que tu t'es retrouvé ici? Kasi, comment saurais-je qu'il était mon cousin? Comment? Je veux dire, c'est très stupide pour moi. Bon sang, ce n'est pas ta faute. Tu dois être la fille pour qui il avait des sentiments. De quoi est-ce que tu parles? Il avait parlé à propos de moi? Parler de toi est une autre question. Il me disait des choses à propos de toi et c'est tous les jours. Non. Je pense qu'il ressent quelque chose de très sérieux pour toi. Et ce monde ne cessera de nous émerveiller. Gloire à Dieu que vous ne vous soyez jamais mis ensemble. Parce que cela serait la plus grande abomination dans notre royaume. Dieu! Que le Dieu nous en épargne! Ah. Ok, je pense que les dieux ne l'ont pas voulu. Kasi, vas-y, dis-moi. Comment est son état pour le moment? Vas-y, dis-moi. Explique-moi un peu, s'il te plaît, je t'en prie. Comment va-t-il? Le docteur a dit que c'est un peu terrible et a demandé de voir sa majesté. Ah. Et que dirais-je à la reine? Qui dirige à la reine? Je pense que tu dois l'appeler et tout lui dire. Tu dois le faire. Appelle-la et dis tout. Tout ce qu'il faut, vas-y. Écoute, vas-y, appelle-la. Dis-lui tout ce qu'il faut. Vas-y, dis-lui tout. Ne cache rien. Vas-y. Maman. Un appel. Allô, Kasi. Salut, votre majesté. Votre majesté, il y a un problème. Et je ne sais comment vous l'aborder, mais... Tu ne sais pas comment me dire quoi? Votre majesté, je ne sais pas comment vous le dire, mais... Nous avions connu un accident sur notre chemin vers l'aéroport et c'était un peu terrible. Et les docteurs demandent de vous voir. Non. Non, Kasi, est-ce que mon fils est mort? Dis-moi la vérité, est-ce que mon fils est mort? Oui, votre majesté, il va bien. Je ne sais pas pourquoi le docteur a demandé de vous voir personnellement. Votre majesté, s'il vous plaît, pouvez-vous venir à Lagos demain? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il a dit? Maman, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, Kasi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle arrive. Je sais pas. Vas-y, non. Parle-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais dis-moi, maman. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi. Dis-moi, maman, s'il te plaît.
Votre Majesté. Où est mon fils? Où est mon fils? Votre Majesté, il est à l'hôpital. Conduis-moi là-bas. Dis-moi, ça veut dire quoi tout ça? La reine est juste en train de venir. La reine? Oui. Et puis quoi? Si elle est la reine, là-bas au royaume, ici c'est un hôpital. Vous pouvez pas salir l'endroit comme ça à cause de la reine. Et écoute, attends-moi là, je vais te chercher le balai, puis tu vas m'enlever tout ça là. Tu m'entends? Attends-moi là. Ne bouge pas. Oh mon Dieu! Docteur! Mon fils! Obi! Docteur! Qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? Madame, ton fils va bien. Votre Majesté, je vous salue. Comment tu te retrouves ici? Votre Majesté, je... Votre Majesté, j'ai été rapidement contacté quand ceci est arrivé et voilà pourquoi on en est ici. Je vois. Docteur. Oui, madame. Tu as sauvé mon fils, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi cet état? Pourquoi? Madame, s'il te plaît, je peux te voir celle dans mon bureau? Me voir dans ton bureau? Oui, madame, excuse-moi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et toi? Comment est-ce que c'était arrivé? C'est à toi que je parle. Qu'est-ce qui est arrivé? Votre Majesté, le véhicule qui devait nous amener à l'aéroport a dû se colliser avec un très grand camion là. Je suis désolé, Votre Majesté. Non. Nem, s'il te plaît. Comment est-ce mauvais son état, docteur? Très mauvais. Il est vraiment dans un état urgent. Et la seule chose à faire maintenant, c'est de l'amputer. Non! Docteur, non, ça ne sera pas possible. C'est pas possible, mon fils ne peut jamais être handicapé. Pas question. Mon fils ne peut jamais être handicapé. Je l'enverrai à l'étranger. Madame, je comprends ce que tu réponds. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dis pas ça parce que je sais que tu ne comprends rien. Madame, s'il te plaît, calme-toi. Comme tu le sais et comme tout le monde le sait, que cet hôpital, c'est un grand hôpital. Alors, peu importe où vous irez, je ne crois pas qu'il y aura une autre solution. D'ailleurs, tu vas encore l'exposer à un autre danger. Ceci doit normalement se faire. Oui, ça doit se faire. Avant de le perdre. Docteur, il n'y a-t-il pas une autre solution? Docteur, s'il te plaît, je t'en prie. Madame, s'il te plaît, si on en avait, j'allais te le dire. C'est pourquoi j'avais besoin de te voir. Parce que de telles décisions ne peuvent se prendre sans votre consentement. Je vais entendre que tu prennes une bonne décision. S'il te plaît, réfléchis bien.
afin que la vie de ton fils soit sauvée. Je suis désolée. Votre Majesté, les anciens sont ici, ils veulent vous voir. Je leur ai dit que vous n'êtes pas d'humeur de voir qui que ce soit maintenant. M'avait-il laissé un message? Oui, Votre Majesté. Ils sont venus voir si le prince est de retour. Et ils ont dit que jusqu'à la fin de cette semaine, s'il n'y a rien qui fait dans ce sens, ils seront tentés de faire les choses selon leur façon de voir. Des hommes méchants! Je connais bien leur travail. Ils ne vont jamais réussir. Je t'ai entendu. Tu peux partir. D'accord, Sa Majesté. Ils ne vont pas réussir. Pourquoi? Dégage de ma vue maintenant, dégage! Maka, vas-y doucement, je suis venue vers toi parce que je sais que tu as besoin de mon aide. J'en ai pas besoin! Je refuse ton aide ni celle de votre association, je refuse! Es-tu sûre que tu n'as pas besoin de mon aide? Oh oui, j'en ai pas besoin! Que penses-tu que tu peux faire avec tes mains dans la situation de ton fils? Allez, il est temps d'accepter la réalité! Qui t'a parlé de mon fils? J'espère que tu n'attends pas une réponse. Ta situation est terrible maintenant. Et tu ne peux rien faire à propos de ça, ma chère. Je te le dis. S'il te plaît, pouvons-nous parler maintenant? C'est pourquoi je suis là. Je t'en supplie. Assieds-toi et parlons. Je sais que ces hommes méchants sont derrière ça. La bataille a dépassé le physique. Regarde mon bras. Ils m'ont attaqué la nuit dernière. Je n'arrive plus à le bouger. Ils ont mis mon fils dans un état terrible. Leur plan est de le rendre inutile, comme ça ils vont bien le finir. Alors, que penses-tu faire maintenant? Je pense que tu connais la réponse à cette question. Je suis sans défense. Je sais où est-ce que tu veux aller, mais n'ose même pas y aller. Mais tu dois remercier Dieu. Tu sais très bien que nous sommes la seule solution à tes problèmes et tu ne peux pas t'en passer. Vous n'êtes pas des solutions à mes problèmes. Amaka, nous sommes la solution à tes problèmes. Ma sœur, nous sommes la solution à tes problèmes. Non! Vous n'êtes pas des solutions à mes problèmes. Nous les sommes. Il y a un fait que tu ne peux pas nier. Maintenant, écoute. Depuis que tu as quitté la fraternité, ta vie est devenue un enfer.
Tu passes d'un problème à un autre. Penses-tu que ne serait-ce qu'un problème pouvait t'arriver si tu continuais d'être membre de cette fraternité? Bien sûr que non. Ton mari allait être vivant et il allait être en bonne santé. Mais je t'avais supplié de ne pas quitter, tu avais refusé de m'entendre. Tu avais fait la têtue et personne n'avait compliqué ta vie. Et maintenant, tu vois que tu as plus de complications. Honnêtement, j'ai pitié de toi. Ça fait très mal parce que tu n'as pas pitié de toi-même. De toutes les façons, si je suis là, c'est pour te faire savoir que ce n'est pas encore tard. Tu peux quand même chercher à venir demander pardon et nous allons accepter que tu reviennes. Oh, la toute-puissance, c'est Shakari. Shakari, la toute-puissance. Oh, la toute-puissance, c'est Shakari. Shakari, la toute-puissance. Oh, la toute-puissance, Shakari. Amaka, debout. Je vois que tu veux laisser la personne qui t'a ruiné vivre. Je ne veux pas t'arrêter. Avec une condition, que ta mère ait brisé le pacte qu'elle a signé pour t'obtenir. Papa a un enfant. Es-tu en train de me dire que tu es plus sage que ta maman qui avait pris cette décision? Nous allons statuer là-dessus. Mais je t'avertis, tu ne pourras jamais, jamais toute ta vie résoudre cela. Et la toute-puissante Shakari va t'ôter tout ce qui lui revient. Maintenant, quitte devant moi et ne reviens plus jamais. Va-t'en et ne reviens jamais. Quitte! Et ceci serve de leçon à vous toutes qui êtes restées. Qui essaie de décevoir la toute-puissante Shakari? Ne décevez jamais la toute-puissante Shakari. Toute-puissante Shakari. Es-tu en train de dire que je dois reprendre mes vomis? Juste pour sauver ta famille, tu n'as pas d'autre option. Penses-tu que la mère supérieure va me reprendre? Seulement si tu t'excuses. Comment est-ce mauvais son état, docteur? Très mauvais. Il n'est pas dans un bon état. Et la seule chose à faire maintenant, c'est de l'amputer. Non! Docteur, non, ça ne sera pas possible. C'est pas possible. Mon fils ne peut jamais être handicapé. Pas question. Mon fils ne peut jamais être handicapé. Je l'enverrai à l'étranger. Madame, je comprends ce que tu ressens. Oh non, c'est pas vrai! Ne me dis pas ça parce que je sais que tu ne comprends rien! Madame, calme-toi. Comme tu le sais, comme tout le monde le connaît, que ça, c'est un grand hôpital, madame. Peu importe où vous irez, il n'y aura pas une autre solution. D'ailleurs, tu vas encore l'exposer à un autre danger. Ceci doit être fait. Oui, ça doit être fait. Avant qu'il meure. Docteur, il n'y a-t-il pas une autre solution? Docteur, s'il te plaît, je t'en prie. Madame, s'il te plaît, s'il y en avait, je n'allais pas te dire ça. Je voulais te voir. Parce que de telles décisions ne peuvent se prendre sans le consentement des parents. Je vais attendre que tu prennes une bonne décision. S'il te plaît, réfléchis bien. Parce que la vie de ton fils est en danger. Thank you.
là devant la porte. C'est moi, Amaka. Peux-tu disparaître devant ma présence ce matin? Tu peux disparaître devant ma présence ce matin. Sinon, je vais te faire du mal si tu ne le fais pas. Dehors! Quitte ma présence!